les pieds du gardien Bengi Joao. Tard les Estoniens pour le moment, ils ne parviennent pas à défendre correctement et à venir chipper le ballon dans les pieds des Français. C'est bien fait encore Tabibou Assoumani avec de Yoni Gomis. Là ça s'est refermé, il va falloir faire ce coup franc. Coup franc tiré au premier poteau, sans problème pour les défenseurs estoniens. Reprise instantanée. Là encore il y a beaucoup de talent dans ces 20 joueurs que compose Kikzir Edoué. Il y a à peu près 5 minutes, une superbe combinaison sur ce côté gauche à une de touche et à faire pour Saïd Koumbédi qui s'engouffre dans cet espace. Koumbédi qui a trouvé ouais superbe ça, occasion de marquer là. Ouais, c'est bien fait de la part de Désiré Doué, il régale ces deux joueurs. Désirément hein, de très bons joueurs du côté du Stade Rennais ces dernières années. On pense évidemment aussi aux joueurs du Bayern Munich, Mathis Tel, Pajot. Duel de numéro 10 à hauteur du poteau de corner. Et il est passé à son tour Tabibou Assoumani. Mawissa Elebi. Tout en maîtrise les Français. Encore un superbe geste technique de la part de Tabibou Assoumani qui a pu effacer son vis-à-vis. Alors il faut rester bien dans son match, bien concentré jusqu'au bout. Exercé par les Estoniens. Mais ça fonctionne plus. Jacquet dans le rond central. Allez, qu'il a été numérique s'il vous plaît. Un but inscrit sur pénalty. Peu après l'heure de jeu. Perse. Mais derrière l'équipe de France avait très bien géré cette infériorité numérique. Tabibou Assoumani. C'est avec ce grand pont. La tentative de Désiré Doué repoussée par le gardien Johan Nesson. C'est peut-être pas terminé. Tabibou Assoumani qui a appelé la balle. En quête d'une brèche dans cette défense islandaise, bien regroupée. Donc pour moi, on l'a dit, il y a quand même deux phases avant d'atteindre la phase finale. On a donc besoin de gagner un petit peu en temps de jeu avant d'avoir une condition physique un petit peu plus appropriée. Et là maintenant, attention quand même là, cette relance était très dangereuse de la part de Ravers. C'est peut-être pas terminé, mais encore une fois, c'est justement Jacquet qui intercepte ce ballon et peut relancer la machine française contre les États-Unis, s'il vous plaît. On le sait, l'une des nations fortes du football. Victoire 3-0. Et les Islandais qui tentent maintenant aussi de venir presser. Il a essayé de trouver quelqu'un parce qu'il est mis sous pression. C'est dangereux ce ballon qui traîne. Et une occasion peut-être pour les Bleuets. Remise en jeu islandais dans ce premier tour après la victoire face à l'Estonie. Pour le moment on s'oriente vers un match nul face à l'Islande, mais l'équipe de France trouve la faille dans cette défense. Allez, le renversement de jeu dans cette défense. Désiré Doué qui remet sur la droite. Allez, faut réussir ce contrôle, ouais, garder la maîtrise du ballon. Bien fait, il est passé une fois, une, deux. Tabibou Assoumani. Il s'en va retrouver Koumbédi sur la droite et propose. Et là, ce n'est pas passé. Et du jeu à l'épaule, l'arbitre qui demande à l'Islandais de se relever.